comprendre ce que je viens de vous dire. Je disais, nous ouvrons une semaine de bénédiction. C'est la semaine de fête. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette semaine, aujourd'hui c'est mardi, demain ça sera mercredi, on sera ici. Amen. Et le jeudi, ça sera le 4 août. Ça veut dire le jour où tu as totalisé 11 ans. Le coup la ecclésia. Une église où il est qui n'a pas été là et belé. Alléluia. Ça n'a pas été difficile, plutôt facile pour nous de maîtriser la vision. Alléluia. De la comprendre. Surtout en ce qui concerne le feedback. Kolobama Kambou, Tozolo Batozo, enseigné, Tozo Sala, et Ecclesia, et Memia, et Sosola Yambo. Et bien aimé, Tofongoli, trois jours Oyo, pour que Tozala béni. Donc on travaille bongo lelo mardi, demain mercredi, puis le jeudi, donc aussi ça, na agapé moko spécial. Et agapé wana, l'homme de Dieu a reçu conviction. Au sommet de la bilei autorolia awa, na présence y a bisonion. Sokeza la gato, sokeza lipa, sokeza la bilo rolia mounene, nous allons dire les paroles awa netumbelo. Et tu es bien, moko moko même banlinga mina biso balanda biso na musika. Alléluia. Amen. Le coup la onction et vanda, n'est-ce pas, na katia bilei wana, et cette onction peut être transmise, n'est-ce pas, à travers la vidéo ou les vidéos qui vont passer. Mes frères et sœurs, je suis en train de croire que ce soit nous présents que bandeko o baza musika unis à notre esprit, biso nyonso to pambo là-bas. Amen. Et tolingi 11e année oyo. Et à l'accomplissement réellement, il y a œuvre de l'église. Alléluia. Œuvre de l'église et Kokusamara. Soki 12 Mokwa Longwe, 1 Atikali. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier que les temps difficiles, il y a Vinayo, les temps périlleux, les temps de misère soient remplacés. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Tambourana 12, Tona Jésus. 12 ou pendant longtemps, mais à l'heure de l'église, mon roi vous allez retrancher. Amen. Je prie que le malheur soit retranché. Je prie que la maladie soit retranchée. Alléluia. Je prie que la misère soit retranchée. Je prie que la pauvreté soit retranchée. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ que le bonheur soit au rendez-vous. Alléluia. Et je sais que c'est ce que le Seigneur fera avec nous. Alléluia. Levons nos deux mains, mes frères et sœurs. Seigneur, na fongoli milulu oyo. La semaine des fêtes. Sois les dieux de notre esprit, les dieux de notre vocation. Nous aurons deux services qui vont contribuer à notre foi. C'est les témoignages des élites spirituelles et deuxièmement, la connaissance sur cette vision, ce que tu nous as dit. Je bénis tous les intervenants et leurs interventions. Alléluia. Que cela soit ainsi. Je déclare ainsi ouvert cette semaine de fête au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Disons tous Amen. 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 C'est avec Papa Franklin que nous allons commencer avec les témoignages. Saluons-nous, saluons-nous lorsque Papa Franklin me rapproche. Merci. Que Dieu bénisse. Asseyons-nous, asseyons-nous. Amen. Nzambe azwa lokumu na milulu oyo église ezokokisa 11 ans ya existence nango. Nzambe oyo akela likolo pe na se oyo a permettre nga lisusu na telema liboso na biso pona zwa 3 à 5 minutes pona ko témoigner efficacité pe puissance ya liloba na vinanga. Oyo liloba esalelinga pendant tout ce temps oyo totamboli na nzambe na kati na esika oyo na pesi merci
epa ya papa na confiance oyo a renouvelé lisusu na vie na ngai pona telema na sakola sango malamu. Bien aimé, na kozala mulaite lokola na lobi ezala ki passi mais tika na ebisa o passi ebongwani esengo tika na ebisa o passi lelo ekomi ko sepeli sabato pona nini na lobi passi nazala ki na vimoko yanga moko nazala olinga batu te pembe nanga mais ko vanda na mosali ya nzambe eko sala ke na komi ko vanda pe na batu oyo ya lolenge nyonso pona ko yoka kaka liloba oyo efongoli ngai makambo ebele oyo nazo vivre na vie na ngai. Un jour papa a témoigné à kango kat na isika oyo place nazalaki ko sala na koloba kombo te tosalaki échange de paroles na moninga mwasi tusika toza ko sala bien aimé mwana mwasi wana alobaki makambo moko soki na yebisi yo na sikoyo ta mosusu oko silika mais koyoka liloba maîtrise oyo eyaki na kati ya vie na ngai nayebaki te soki eutaki wapi parce que soko ezalaki anamo nde lelo peut-être naza na boloko mais esali ke nzambe asimba motema na ngai mpe naloba ata eloko moko te liboso ya ndeko mwana mwasi wana e après po esala baki na ntongo vers 10h avant 16h po tosisa mosala ngai moko nake koluka ye nayebisi ye ma sœur soki nalobaki mabe limbisa ngai bato nyonso bazotala e mutu oyo bafingi na modele mais aye kosenga pardon seke aza mutu ya solo seke aza mutu oyo esengi totya ye confiance sœur wana ayaka kotemoigne même na église esika tozalaki liboso bien aimé ezalaki mpasi kotala lolenge nga mwana mobali ndeko na bino bafinganga bahimilianga à tel point que motema esuki mais la parole ntango nyonso nazoluka liloba nazomona kumi papa azoya liboso na ngai mpe liloba ezomata moyena agir ezala ete bien aimé kangama na liloba liloba ekofasone yo ekopesa forme ntango mosusu yo forme oza yango nzambe alingeli yo yango te mais persévère toujours dans la parole à écouter la parole d'être toujours à côté de l'homme de dieu tu verras ce que dieu te fera parce que nzambe oyo aza nzambe diversité aza nzambe multisystème lelo nazovivre bamerveille na nzela ya liloba oyo na nzela ya baconseil parce que vie oyo nazalaki nango soki nabetelo kati na esika oyo tu peux pas y croire mais dieu a fait grâce lelo ngai na bino tozovanda dieu a fait grâce lelo ngai na bino tozosolola et tozosambela ensemble tozoyoka mpe liloba nzambe liloba nzambe ezomema transformation mpe ezomema biso na perfection parce que la perfection est possible. Demeure dans la parole et Dieu te bénira. Demeure dans la parole et Dieu te guérira. Mais demeure dans la parole, Dieu fera des grandes choses dans ta vie, pourquoi pas dans ta famille, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est ça notre témoignage. Est-ce qu'une personne peut dire amen? Amen. J'aimerais que mon ami Haïfa puisse nous balancer la thématique, en fait, les sujets, c'est ça, d'aujourd'hui. Regardez, efficacité épistémologique de la vision amiale, guidance et parole. Ça veut dire, ici, nous voulons montrer l'efficacité et la vision amiale à travers la guidance spirituelle. Quand on parle de la guidance, il y en a des types et des types. Parce que la guidance, en réalité, d'après les concepts français, est un accompagnement au bazo salamoine. Alléluia. Amen. Mais quand on parle de la guidance spirituelle, ça signifie autre chose. Et mes frères et sœurs, mutu ebongamaki na makambu oyo, il s'en est excusé, je crois bien c'est mon ami Michael Mata. Kasi Moussala, vie poste azo œuvré et permettre été à Salana Bissolelo parce que il doit commanditer à quelques orientations azo salama et si kawa pillé azo sala. Tikanza Benabiso à Pambola P. Ndekonabiso Michael Mata.
Amen. Amen. Bien-aimés, j'aurai peut-être trois points seulement. J'en ai beaucoup, beaucoup de points, mais trois. Pour dans l'obélabiso sur la guidance spirituelle amiale. Suivez-moi très bien. Le premier point, c'est ce qui n'est pas notre enseignement, notre école. Et loko oyeza, école n'a bisauté, enseignement n'a bisauté, quand nous voulons parler de la guidance spirituelle. Naturellement, le concept de la guidance spirituelle est utilisé dans la religion, topé bien aimé Mangomba, où il y a trop dans le domaine de lumière. Alléluia. Amen. Alors, je commençais par ce premier point, et ça pour que tout le monde, peut-être que nous sommes une notion de la guidance spirituelle. Vous savez, dans le monde de Nabiso, avec les avancées technologiques, nous sommes capables de faire des choses qui sont belles pour vendre ça, les canici, il y a qu'au détruire et l'eau qu'il y a malam. Alléluia. Amen. Je me souviens d'un pasteur qui rigolait avec son enfant, qu'au c'est que les gars qui tiennent si moi naï, imbécile nao darpi. Et bateau va venir qu'au filmer, mon col a fait toi na, mon col omité mes bébés qui, bah celui qui a parti on a babi botta la pasteur bombassa la ranini a filmé ça. Et le pasteur avait manqué lui aussi une vidéo à son tour pour l'axa. Contexte nini maloba wana ebimaki ndepe na yoka mutu muso asiliki alobi Yesu pa fingaka lobaka il n'est pas bon de prendre des aliments des enfants de l'Égypte. Yesu pa beta foué asoka foué na temple beti bat bien-aimé prendre n'est-ce pas le basé du texte et pour transposer yango na ba contexte nango. Attention, nous allons défendre la prétextualité en lieu et place de la contextualité. Vraiment que Dieu nous aide. Qu'est-ce qui n'est pas notre école? Bien aimé, quand on parle guidance spirituelle, on ne parle pas d'un être ou d'un phénomène existant ou inexistant, porteur de chances et de facilités humaines. Okay. Parce que dans Mangomba Moussousou, ce qui est la guidance spirituelle, c'est être moko, soit visible, soit invisible, et yé moussala naye, amémé la rabatou, ma chance et ma facilité dans mon kin. Il y a un moment où il y a une religion, une croyance, une guidance spirituelle. Soit il y a un soit il y a un soit il y a un soit il y a. Et à l'obi, l'esprit, on a un bel et là, il y a un groupe qui a une facilité et qui a une chance dans mon ramto au sala. Mon enseignement, quand je parle de guidance spirituelle, n'a rien à voir avec ça. Notre école ne vise pas cette dimension. Deuxièmement, qu'est-ce qui n'est pas notre école? C'est que quand je parle ici de la guidance spirituelle, bien-aimés, écoutez-moi, on ne parle pas d'un esprit disposé à ouvrir des chambres secrètes dans l'évolution d'une quelconque croyance aveugle. Okay. Plusieurs, quand ils parlent de la guidance spirituelle, bien-aimés, écoutez-moi bien, esprit moro avant ni quelque part à disposé. Et bien-aimés, le rôle de cet esprit, on va nous fondre dans la chambre. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer évolution moi écoute dans mboka na biso. Alléluia. Amen. Au monde mutu asobele la tamsu Gabriel. Mutu asobele la tamsu su mutu boye na Bible. Au monde on a son esprit na yesikoyo. To asobele la mutu moko songolo. Alléluia. Amen. Alors bien son soit que esprit na pas faciliter biso misala songolo. Mais je ne parle pas de ça. Ce n'est pas un esprit de mandona ou de tandona. Alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour que les esprits viennent nous révéler des secrets. Ça veut dire les secrets des chambres. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans cette dimension-là. Troisièmement, qu'est-ce qui n'est pas notre école? Quand je parle de la guidance spirituelle, bien-aimés, écoutez-moi très bien, nous ne parlons pas d'une séance de voyance, des choses souterraines capables de créer des exploits. Spirituellement. D'autres parlent en termes de voyage astro ou de voyage un seul astral. Alléluia. Amen. Au moment où l'esprit a dit, non, écoutez-moi. Moi, je ne suis pas ici en train de voquer, quand je parle de la guidance spirituelle, bien aimé, une voyance. Il y a ma kamogé, bomba ma. Pesoyako, créer des sommes d'exploits. Vous allez remarquer la pratique aérie prophétique aujourd'hui.
Bien-aimé, Evan Naranaba Makambouan. Amen. Au monde, il faut pas l'obéir la coba Makamoko, Yoso et Bate, Bombama, Bombama. Et bien, explore, Yamoussalawana, Evan Naranaba Voyance. Ça veut dire que si ces prophètes, si ces messieurs-là, bien-aimé, à l'obéir le côté, au monde, a même bateau à Zokama, Batou, n'est pas les longs ambassadeurs. Les longs ambassadeurs, le côté. C'est comme si Dieu vient, bien-aimé, pour nous montrer des choses sous-traînes. Écrit la bisoba exploit. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui croient qu'ils ont la supériorité. Suivez-moi très bien. Même par rapport à Batou Bélé na famille, parce que à côtoyer Batou, et Batou n'a pas révélé, qu'a révélé, qu'a eba makamou Bélé, soit il y a famille, soit il y a boye, et au monde en eb sabino talangana na makamou Bélé, bino bohébité. Ça, c'est une guidance spirituelle aveugle. Amen. C'est pas de cette guidance spirituelle dont l'allusion de notre enseignement est fondée. Enfin, quatrième, qu'est-ce qui n'est pas notre école? C'est que quand nous parlons guidance spirituelle ici, mes frères et sœurs, on ne parle pas d'une communication ou contact avec les êtres d'une soi-disant lumière. Ok. On ne vient pas ici, mes frères et sœurs, pour tomber ma besoin à contact avec l'esprit, à être songolo. C'est pas ce qu'on veut faire. Soyez vraiment dans la paix. Quand nous parlons guidance spirituelle ici, c'est quoi alors notre école? Le deuxième point, c'est qui est réellement notre école. Écoutez-moi, premièrement, quand on parle guidance spirituelle, bien-aimé, nous voyons l'efficacité du conducteur ou de l'esprit suprême, à savoir le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de la guidance spirituelle, bien-aimé, écoutez-moi, dans quatre églises à Mial, nous sommes en train de montrer l'efficacité du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous ne voulons pas que ce Saint-Esprit, bien-aimé, qui anime notre église, que vous et moi, et même les frères qui nous suivent, tout comprendre de la manière la plus aberrante au Batunion Sobaébeli. Il y a un Saint-Esprit, mes frères et sœurs, suivez-moi, dans ce monde qui est capable de faire tomber des gens. C'est pas mauvais. Parce que les gens sont ma lignée. Alléluia. Au monde, il y a une chair de poule. Si il peut montrer les gens qui sont en train de se faire. Et bien, les gens sont en train de nous, ici, là, quand nous parlons de la guidance spirituelle, on veut montrer qu'est-ce que c'est l'efficacité de ces Saint-Esprit aux milliers de frères que nous sommes. Prends rapidement Jean 14, 16. Rapidement. Et puis Jean 15, 26. Jean 14, 16. Et puis Jean 15, 26. Jean chapitre 14, le 16e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Écoutez-moi, tout ce que Jésus faisait, mon ami, c'était de prier le Père pour qu'il puisse donner le consolateur. Alléluia. Amen. Et de quoi consolateur en faisait allusion? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Amen. C'est consolateur qui devrait demeurer avec l'église, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc l'intercession de Jésus tous les jours, alléluia, amen, était que son église, ses membres, reçoivent le Saint-Esprit. Bien-aimé, notre école, quand on parle de la guidance spirituelle, nous voulons que chacun de nous soit conduit par qui? Par le Saint-Esprit. Jean 15, 26. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Écoutez-moi, j'aime ça. Le Consolateur que le frère Enoch vient de lire dans Jean 14 précédemment, le 16e verset, Jésus parle de lui. Il dit ceci. Quand sera venu ce Consolateur, alléluia, amen, il est dans l'homme l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit de Dieu qui vient du Père, qu'est-ce qu'il fera? Il vous amènera à rendre témoignage de qui? De moi. Tu sais pourquoi je te parle de la guidance spirituelle? Tu sais pourquoi je te dis amial, porte, contient, alléluia, s'il faut dire comme ça, une guidance spirituelle. Ça veut dire je vais te dire amial. C'est vraiment le berceau où réside qui? Le Saint-Esprit. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est les témoignages que vient de dire Franklin. Alléluia. Voilà une sainteté qui avait manqué, bien aimé, dans la vie d'une personne.
Ce témoignage est synchronisé. Si je pouvais donner à Franklin de vous dire, moi je suis son papa, je suis son conducteur spirituel, s'il faut dire son encadré spirituel. Je n'aime pas trop piocher en termes de père spirituel. Mais si je le suis, gloire à Dieu. Suivez-moi mes frères et sœurs. Je sais qu'est-ce que le Seigneur a fait avec cet homme. Alléluia. Ce qu'il vous dit est vrai. Filles et garçons, bien-aimés, suivez-moi très bien. Filles et garçons, disais-je. Bien-aimés, en discussion, devant des gens. La réaction de Franklin a fait que non seulement la dame a loukaillé en particulier dans Moussala a saigné pardon, mais aussi de lui dire, je vais aller dans ton église témoigner. Amen. Devant tous les frères de ton église, que réellement tu es un frère qui prie. Alléluia. Là nous sommes en train de valoriser l'œuvre du consolateur. Alléluia. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimés, l'église Amiel existe pour le Saint-Esprit. La seule guidance, bien-aimés, que nous enseignons et que nous voulons dans cette église, c'est la guidance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est encore notre école? Écoutez-moi très bien. Quand nous parlons de la guidance spirituelle au sein de l'église Amiel, on parle de l'efficacité de l'esprit visionnant de notre entité ecclésiastique. Alléluia. Amen. L'efficacité de l'esprit visionnant de notre entité ecclésiastique. Mais attends, notre église est fondée par quel concept? Là, l'amour. 1 Corinthiens 13:13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Maintenant, écoutez-moi, après que Béli ait fait son travail, l'objectif de Dieu, c'est que trois choses demeurent en vous. Lesquelles? La foi. La foi. L'espérance. 2, l'espérance. La charité. 3, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'amour est plus fort que la foi. Alléluia. Le juste vit par la foi. La foi ne peut pas être là, mais si on trouve l'amour, tu vivras. Alléluia. Abraham, notre père, espérant contre tout espérance. Il y a même un français qui dit l'espérance fait vivre. Mais écoutez-moi, tu peux perdre l'espoir à cause de choses. Ok. Mais si on trouve en toi l'amour, tu vivras et tu réussiras. Alléluia. Alléluia. L'amour est plus grand que tout. Jésus. Si l'église fait, c'est de donner deux choses suprêmes. C'est la foi qui vient de ce qu'on entend. On vient à l'église mardi, jeudi, dimanche. D'autres, tous les jours, la semaine, comme vous voulez. Bien-aimés, on écoute la parole de Dieu. Ça nous donne la foi. Mais il y a une chose qui dépasse venir à l'église tous les jours écouter la parole. C'est l'amour. Alléluia. C'est la charité. Alléluia. Bien-aimés, quand on parle de la guidance spirituelle ici, on est en train d'honorer l'amour qui est le centre de notre message. Ô Seigneur, jusqu'à ma mort, j'enseignerai l'amour. Alléluia. Oh, ça veut dire quoi? Si la foi est capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire rien que la foi. Et le juste ne vit que par la foi. On te reconnaît déjà comme juste. Et pour vivre, tu as besoin de la foi. Mais écoutez-moi, je connais ce qui dépasse la foi. Alléluia. Lisez bien la Bible. La Bible dit c'est par la foi que à Noé a tombé arche. C'est par la foi, alléluia, c'est par la foi. Donc la Bible, c'est la composition arithmétique de la foi. Mais moi, je connais ce qui dépasse ces écrits. Oh. C'est l'amour. Oh, alléluia. C'est l'amour. L'amour dépasse tout. Amiel a une bonne guidance spirituelle parce que Amiel enseigne ce qui dépasse. Dieu n'est pas foi, mais Dieu produit la foi. Dieu n'est pas espérance, vous espérez Mimi, mais Dieu est amour. Dieu est amour.
Je vais dire à une personne, s'il y a une communauté, une église, une vision qui enseigne mieux, ça mieux parce qu'on enseigne l'amour. Alléluia. Je peux dire encore des choses fortes. Qu'est-ce que c'est notre école qu'on parle guidance spirituelle? Quand on parle guidance spirituelle, on parle de la force de l'esprit qui touche de manière tout azimite la conscience de l'homme. Je connais des églises qui n'enseignent pas la conscience, qui n'enseignent pas, je dirais, le centre de la conscience de l'homme, mais qui enseignent autour d'une conscience. Merci. Nous, on enseigne de manière tout azimite, à travers l'esprit de notre message, bien aimé, la conscience de l'homme. Tu peux me prendre cette bagatelle, acte 2, 37. Là, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Amen. N'oublie pas, Enoch, il est descendu, la Pentecôte s'est accomplie. La Pentecôte a été, suivez-moi très bien, prédit de manière pratique. Parce qu'autrefois, on ne le dira jamais assez, et là, qui dit de manière prophétique. Mais dans acte 1, 8, on parle de la pragmaticité maintenant. Alléluia. On dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dans acte 2, maintenant, c'est la Pentecôte. Ça veut dire Pierre prenant la parole devant les gens. Abba Nikoloba. Hommes frères, répentez-vous. Abba Nikoloba Nabangoba Kambu. Tant voici ici verset 37 et l'obini. Après avoir entendu ces choses. Après avoir entendu les choses que le Saint-Esprit dit, les choses qu'on enseigne à Mial. Oui. Ils eurent le cœur vivement touché. Voilà un message qui touche la conscience. Ils eurent le cœur vivement. Toucher. Jusqu'à quand entrerons-nous à l'église, sortirons avec le même ennemi, le même personne dans la mitaine, le même situation, bien-aimé, de caractère, de comportement. Amiel est fondé dans le message de la guidance du Saint-Esprit qui consiste à ramener tout le monde après la prédication à un cœur vivement touché. Alléluia. Et sur le cœur vivement touché, oui. Et il dit à Pierre et aux autres. Ayez pas Pierre et aux autres apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous? Alléluia. Amen. Seigneur, anime dans ta guidance spirituelle, dans cette vision. Alléluia. Tous les jours, des messages qui vont ramener l'église à pouvoir se poser des questions de conscience. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire trois fois, j'aime Amiel, come on. J'aime Amiel. J'aime Amiel. J'aime Amiel. Aïfa, mes regards de mauvais yeux, je prends tout dernier point. C'est lui notre capitaine aujourd'hui. C'est lui qui sait faire mieux que moi. Moi, je suis seulement en train de préparer la route pour, comme Jean-Baptiste, pour le Christ qui va venir. Le Christ viendra bientôt. C'est lui la parole. Moi, je suis dans la guidance. Le point 3, la pratique épistémologique de notre guidance spirituel. Écoutez-moi. Comment est-ce que tu fonctionnes dans la guidance en haut pour que le Saint-Esprit a réussi au bon la biseau? Beaucoup de gens n'ont jamais compris les secrets de Papa Béli. Allez, prenez les secrets. Comme ça, demain, quand vous serez pasteur à votre tour, dirigeant des paroisses et des cellules, bien aimé, vous allez faire de la manière dont le maître a procédé. Amen. Primo, moi je vise la présence de vrais guideurs. Je n'aime pas de fou. Ok. Quand je parle de guideur, il y a trois dimensions. Premièrement, c'est le pasteur. Deuxièmement, c'est le corps assistant de pasteur. Chez nous, ce sont des encadreurs. Et troisièmement, ce sont des assistants à l'œuvre. C'est ça les équipiers. Bango des moteurs. Quand ne vous trompe pas, Batoni sa église, Bango. Ce Bamoni m'a suivi. Allez, Bakébetaliso. Alléluia. Et les gens vont commencer à venir. Yamona bien-aimé, écoutez-moi, quand il s'agit de préparer des guides, guide veut dire celui, guide ne veut pas dire mouta l'ekio. Non. Et ça mouta banda qui avant yo, aléga qui avant yo. C'est ça un guide. Il connaît la voix. Qui te dit que tous les jours Batmoton dit ça batoune église et ça pasteur béni? Qui te dit tous les jours Batmoton dit ça batoune église et ça encadreur? Et ça batou. Baba guide. Amen. Alors nous devons former des vrais guides. Papa Béli aime former des vrais guides. Ça veut dire que nous serons des bons pasteurs, des bons
assistants, c'est-à-dire des bons auxiliaires. Et troisièmement, que nous ayons également des bons équipiers. Tu peux lire Job 5, 18. Job 5, 18. J'aime ça. Il fait la pleu. Et il abonde. Il blesse. Et sa main guérit. Après Nazu le bon a guérir. Qui vous dit que quand vous étiez venu ici, cher pasteur, cher équipier, cher assistant amial, que vous étiez de corps, il y a bien. Grâce à ce que nous faisons ici avec Papa Béli, chacun de nous maintenant a été potanaï. La main de guérison ne vient pas tant que pota et mon anité a bon ici parce que comme on comment on s'amène la ma comme changer mais faut tinda batou ba tout mon langue après dans le beau Seigneur. Tu es dans quelle étape au somme va pota na les comportements qui étaient chéris ce sont des plaies. Regarde, grâce à l'évangile que nous prêchons ici, plusieurs bamoni bapotan avant. C'est ça l'efficacité épistémologique de notre vision. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire Amen? Amen. Yebisa bapotan a obangate bapotan anga. Obangate bapotan. Yebisa pe moninga na perdre son temps occupé bapotan ayote. Perdre temps t'es occupé bapotan ayo papa. Eh, alléluia. La deuxième des choses, suivez-moi. Aïe, faut y aller long, la babie, hein? Et elle dit, bon, maman, cambo. Non, je connais mon fils, il est fort. Suivez-moi, mes frères et sœurs. C'est une compétition dans la loyauté de progrès, surtout en matière de résultats spirituels. On n'a rien à voir avec des points de 10 sur 10, mais on a à voir avec qui est sauvé. Je sais que tous nous serons capables d'apporter, n'est-ce pas, de aimer cette révélation et de l'acceptation de Pota. Mais comme je suis bien, quand ça bien, et comme Pota. Pota dans notre monde, de l'ignorance, ou tu sais qui c'est bon. Dieu, avant qu'il intervienne, et lis-moi, à Olexa, on a des tapes. La deuxième des choses, bien aimé, écoutez-moi, dans notre guidance pratique, à part la présence des vrais guideurs, c'est la communion avec l'ensemble mental de nos membres. La communion avec l'ensemble mental de nos membres. Suivez-moi très bien. Papa Béli, dans sa vision de travail selon que Nzamba Pesaye, Namayelo Asaelaka, qu'est-ce qu'il fait? Ayara Kozwa Bonzambe Oyo et Kotina Katia Mutu. Mais Yokanga bien. Et Vandakana ensemble mental. Ça veut dire place nos vies à la place nos mutako raisonner. L'ilobe qui pango. La colère travaille, bien aimé, écoutez-moi très bien, dans sa vision mentale. Soua et travaillera wan. Jalousie et travaillera wan. Haine et travaillera wan. Et ça la vie, et ça la respiration. Dans ta vision mentale, ça veut dire quand tu raisonnes, l'esprit ne se manifeste pas. Tout ce que tu vois là, tout ça ce sont des vivants en toi. Maintenant notre évangile prend la communion là. Alléluia. Amen. Et il y a un vision mental. Il y a un moment après notre prédication, une personne peut dire, papa na limbisie, makam, te, na okipe soute. Na tiki. Ça veut dire nous travaillons dans la vision mentale. Et quand pas de la vision mentale, toi tu l'appelleras âme. Moi je l'appelle vision mentale. Alléluia. Tout l'ensemble de la vision mentale, ça signifie notre message vient reposer là où il y a l'âme. Je peux dire encore une chose, 1 Thessaloniciens 5:23. 1 Thessaloniciens 5:23. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Écoutez-moi, que le Dieu de paix.
Le Dieu qui ramène la paix. Hier, il y avait des turbulences. Je ne sais pas dire. Alléluia, le vrai message, il n'y en a pas Enoch. Plus que là où le cœur est ouvert, là où l'homme te donne l'attention. C'est ça la maison dont Dieu dit ce bafongo, l'élu. Regardez ces gens, ils ont laissé leurs avenirs. Regardez un frère et une soeur qui est en train de me suivre au travers des réseaux sociaux. Alors je parle ou n'importe quel média. Mais il me donne du temps. C'est qu'à fond, il n'y a pas de meilleur message plus que la paix. Alléluia. La paix de Dieu, la Bible dit ceci, il ne la donne pas comme le monde la donne. Non! La paix de Dieu consiste à faire quoi? À dire un jour, lorsqu'il entre dans l'âme ou dans la vision mentale, de dire à tous les vivants là-bas que vous devez mourir. Amen. Comme ça, il n'y aura plus de cris. Je prie au nom de Jésus-Christ, ce n'est même pas moi. Dis à la colère. Dis à ceux qui montent là que sois en paix. Alléluia. La paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Amen. Suivez maintenant ce que le frère Enoch disait. Il répète 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il vient vous sanctifier. C'est que la paix de Dieu vient sanctifier. Vient regarder par où il n'y a pas sainteté. Ok. Partout il n'y a pas sanctification. Okay. La paix de Dieu, quand ça vient, ça ne vient pas dire à une femme qui manque de vêtements, soit ma valise. Ça ne vient pas dire à Béli qui est piéton, soit Jeep Ama. Non. La paix de Dieu, lorsque ça entre, bien-aimé, dans la vision mentale de l'homme, suivez-moi très bien, ça vient pour sanctifier. Allez, que le Dieu de paix vous sanctifie l'être entier. On cite qui? Quelle partie? Et que tout votre être... Être mobimba fobika. Oui. L'esprit. L'esprit. L'âme. L'âme. Et le corps. Et le corps. Je prie au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, que tous les jours, ce que nous faisons ici, crée une communion avec l'ensemble de notre vision mentale. C'est-à-dire notre âme, là où il y a tous nos sentiments. Alléluia. Que le Dieu de paix nous cède. Alléluia. Amen. Avec sa paix. Est-ce qu'une personne peut dire que la paix de Dieu entre dans ma vie? Que la paix de Dieu entre dans ma vie. Ah non, mais au bien te dis encore que la paix de Dieu entre dans ma vie. Que la paix de Dieu entre dans ma vie. Suivez-moi très bien. Troisième chose, en ce qui concerne la pratique de notre guidance, à part la présence de vrais guideurs, c'est ça le travail de Papa Béli, à part la communion avec l'ensemble mental de nos membres, bien-aimés, que j'ai appelé âme, troisièmement, c'est la communication avec son guide d'esprit. Tout ce que Papa Béli fait, Alléluia, qu'il y ait une communication entre toi et ton guide d'esprit. Ton guide d'esprit, c'est qui? C'est qui? C'est quoi? C'est vraiment quoi? C'est qui alors? C'est quand tu écoutes la parole de Dieu. Il y a une volonté solanayo. C'est ça ton guide d'esprit. Au moins, dans les camarades, on va au salabou. Mon nom, on va dire le bon et le bon tika. Tala bien, zolo bano makambo. Mais la langue, ni n'y est banate. Mais dis-moi, zoé, quand même, qu'il y a un esprit qui est en train de me guider maintenant, qui me dit abandonne ça et fais ça. Alléluia. Le plaisir de Papa Béli, écoutez-moi bien, que l'accompagnement de vous-même se passe aussi par vous-même. Amen. Amen. Oui. Amen. Mon plaisir, c'est ça, que l'accompagnement de vous-même, tu vois l'accompagnement là qui est venu pour toi, et ça, la m'a rappelé qu'il y en a eu beaucoup. Amen. La Bible dit ceci, cette onction que vous avez reçue, vous n'aurez plus besoin qu'on vous nous enseigne. Ça signifie quoi? Naïmono banakoumi. Tamboussa. Cette communion-là, cette communication-là, nous en avons besoin. Prends-moi 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. Cette onction demeure en vous. Ne croyez pas qu'au sortir d'ici, vous allez encore dire à Pierre, Pierre, dis-nous, vous allez être bien. Parce que Jésus a dit 24 et 24 et Bovananaye. Paul avait raison. Quand il a compris le mystère de cette alliance du Saint-Esprit, alléluia, qu'il puisse dire même à ma Pierre que Nana l'équipino. Vous, à un moment donné, vous avez besoin de Jésus. Mais à ces trois personnes en bâtiment, on a goba moussou bazangi. Mais moi j'ai reçu une onction. Cette onction demeure en moi. Je n'aurais plus besoin qu'on m'enseigne. Oh Seigneur, ce que nous faisons ici tous les jours, c'est qu'une personne qui se sent capable de tout faire, parce qu'il en a marre. Une personne capable de tout réaliser, allez, parce qu'il se dit j'ai raison, mais qui se dise quand même,
Le guideur de l'esprit m'a dit quoi dans ce que je vais faire. Alléluia. Amen. Ça, le travail de Papa Billy. On n'aura plus cette église quand le pasteur voyage. Les bandemi va kibi. Notre évangile n'aura pas de couleur. Alléluia. Sinon, ailleurs, c'est Aïfa qui commence. Amen. Je l'ai appelé humblement, mon ami Aïfa. Aujourd'hui, on enseigne avec toi. Tu devrais enseigner avec Michael, il n'est pas là. Tu trouves comment, qui doit commencer? Il m'a dit, papa, commencez. Je lui ai dit, en ton respect, je vais commencer. Waouh, on ne regardera plus les couleurs, même quand Aïfa parlera, même quand Mouyassou parlera, même quand Bébé t'a parlera, Jamie Franklin, Pichu Mombela, Yannick Ndiavanga, qui encore, je n'ai pas cité, moi, Jamie Wissa, je ne vais pas avoir des problèmes avec toi. Rigen Malongo, qui d'autre je n'ai pas cité? Pesangaba Komona Bouagabango, et non Kiala, Melissa Lupogi, Albert Van, Lopasa Gloire, Nabosel Mogo, Nassin Tangak, Nabosel Kamoko, tout n'a nani papa. Réponse est par Angamoro. Yado n'a tangaki déjà, Boura qui était. Quand je parlais de moi, je parlais de Yado. Yado c'est moi. Mais si tu cites Yado, tu dois citer aussi Lopez Kakuba, malade là où elle est, que Dieu la guérisse. Amen. Alléluia. Amen. Bobo Salimoko. Michael Mata, j'avais déjà cité, non? Bobo Salimoko. Bobo Salimoko, Cynthia. Amen. 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 Qui est un esprit en nous, une onction en nous? Bien aimé, c'est ça le plaisir de Papa Béli. Et tes arabes, soit en abandak, ta wap, ta place va te bazar. On n'aura plus de frères qui vont regarder SA va te bazar. Non. Parce que même là où tu crois être seul, l'esprit sera avec toi. Alléluia. Solo timoto, mon yé moko, mais dans l'église, baïmba yé bisobo, qu'il est dans la présence de Dieu. Solo Timoto dans un contexte en train de travailler menakati église. Il est dans les champs. Amen. 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 Quatrièmement, je termine. La pratique de notre guidance spirituelle. Bien-aimé, écoutez-moi. Comment ça se passe à part la présence des vrais guideurs, la communion avec l'ensemble mental de nos membres. Je parle aussi de la communication avec son guide. Quatrièmement, enfin. Moi, je travaille pourquoi? C'est pour l'aide. Et l'éveil de comprendre le monde auquel nous vivons à travers le langage de Dieu. Ok. Dans la limite, la circonstance à mon qui est liée à ton nom, à tout le monde. Au Lobaka, dans la liété. Dans la spiritualité faible à l'Obara Makas. Alléluia. Nous avons le bien Zamabe, Balaxi, Pierre, Nap et Toko. Bien aimé, plein d'animaux impurs. Alors, il y a aussi un peu de temps, il y a un peu de temps, jamais impur. Alléluia. On y a un peu de temps, pur. Il n'y a jamais injuste. On y a un peu de temps, juste. Je vais te dire ceci. Quand on est le chrétien, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Quand j'enseigne ici, il y a un peu de temps, comprendre que tout ce que tu vis, tout ce qui est autour de toi, a un autre, ou même une autre signification, un autre sens que tu dois découvrir. Alléluia. Ne dis plus jamais à la souffrance de ta vie que ça s'appelle souffrance. Tu peux peut-être comprendre que c'est une école. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc tu peux prendre Jean 8, 43, 44. Récite ça. Jean chapitre 8. 43, 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne désirez pas m'écouter. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Amen. Ça veut dire le langage de Dieu, pour les comprendre, il faut écouter d'abord la bonne parole. Si tu veux définir autrement les circonstances, bien-aimé, tu dois devenir ami de la connaissance. Amen. Alors la connaissance véritable. Bien-aimé, en écoutant tout ce que papa vient de nous dire ici, moi en tant qu'un gars intelligent, j'ai compris ceci, que Amiel ne prêche que le salut de l'homme. Alléluia. Alléluia. Moi c'est ce que j'ai compris. Donc la guidance spirituelle de notre église et l'ongola abiso na ba place ezubiso et même abiso na salut yanza yanzambe. En cas de Jimmy, viens avant qu'Aïfa ne prenne. Dis-moi
ton témoignage. Merci. Merci beaucoup, papa. Parce que pourquoi le loupé c'est une opportunité, enfin, qu'il y a l'oba. Par rapport, il y a 11 ans, il y a existence, il y a l'église Amial, il y a vision l'église Amial. C'est qu'a été mon parcours. C'est vrai, encadré Jemi à l'Ekissi Bandela, il y a passé. À l'Ekissi Bandela, Oyo, à Kokaki, jamais qu'on s'attendre. Mais il y a seulement des éléments, on a l'ingina l'obélabiso, n'a pourquoi l'ilo. Premier élément, et ça par rapport, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, où ils ont prêché la catavision église amiale, et il y a la bonne moïnanga qu'on a l'ignorance. C'est vrai, autrefois j'écoutais la parole. Autrefois, on a bandé au yokababanda au théâtre. Mais la première fois lorsque je suis arrivé, n'a côté à l'homme de Dieu, à chaque fois qu'il enseignait, n'a zanko yokaluka babouya en amissou. Et après, n'a eu qu'à comprendre que j'étais dans l'ignorance. Oyo na baneko kanza autrefois c'était la parole Ezaki lilobate. Na kati ya lilobaneko comprendre une chose que ce message ne vient prôner que le salut de l'homme intérieur. C'est-à-dire lorsque lilobane zoya ezolobana Jemi bima fanda na kiti banda komitala en rapport na liloba et lokonine songilo bongisa. C'est ce jour-là que j'avais compris que slogan oyo babanda que loba akula photo tiku lobango. Prêchez bango te me prêche moi. Donc en moi j'avais une maladie. Cette maladie personne ne pouvait le comprendre. Maladie en moi, un jour l'homme de Dieu a te yango. Et ça là qu'a souci nanga. À chaque fois nabando qui n'est pas l'homme de Dieu, je l'ai présenté cette maladie. Maladie wana j'étais intraverti. Et ça qui est difficile que tu comprennes lorsque je suis fâché. C'était difficile que tu comprennes lorsque Nazam m'est contente. Je parlais en moi-même. Autrement dit, caractère à ba Congo. Nazaki m'a cassé. Naba boutou nanga, je me faisais des illusions. Nazaki otonga ba immeuble. Son salinga li kambou. En tout cas, banda okoufe la kana motema. Mais ce jour-là, lorsque l'homme de Dieu a parlé de cette maladie, j'ai compris que c'est Yelena Sani, Nabini Sango. Quelques jours passés, je me suis posé cette question. Maladie en wekenda, wapi. Nasala est fort na kanisa, mais na kanisa a souté. Attention, enfant, il n'y a pas de kansamabe. Je comprends que ma banque a fait ça. Et longa. Je vivais dans un milieu. Et ça qui n'a pas de conflit. Et ça qui n'a pas de petit. Mais le Dieu de la parole yamial, à cela qui n'a pas témoigné. Baloba, dans cette famille, dans cette parcelle, s'il y a une personne qui prie, c'est Yadjemi. C'est que quelque part la parole avait pris place. L'inobane pesa inga bolingo. Et donc, on a la capacité, on a koka et koza en angote. Deuxième point, ou deuxième élément, je vais parler de la guidance. Dans l'onobé la guidance, katikouna na bimisi plus guide. J'ai compris que le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Na mon écoute na Bible, que zana moutoumwa ke, qu'on semble la Bible, appelle sa mbongo, pour pas semble la ponaye par imposition des mains, ba pesa mon lumo santo. C'est que mon lumo santo a le karnanze la moutou. Na parcours nanga, j'ai connu pas mal de maladies. Na bela, peut-être c'est le docteur, le frère Chapin d'Akoyeba. Place larynge na pharynx écoutana. Na infirmière Melissa, Bakoyeba na zaki inflammation. Na sekara ya guide. Un jour, il m'a dit, ton problème, c'est comme mon angondo zomona, mais c'est une école pour toi. Toi, c'est à Dieu. Je faisais des reflux. J'ai traversé des moments. J'ai fait beaucoup d'années. L'histoire de la veuve, de la femme à perte de sang, je l'ai connue dans ma vie. Je sais. Indisposition féminine, Walande et Salaka. Je faisais plus de 15 jours. Nazaki n'a pas situation. À chaque fois que je pleurais, auprès de mon guide, il me disait une chose. Et lorsque j'avais compris la chose, je pense que c'est ce jour-là qu'il a eu guérison. Il m'a dit, Jemi, c'est Dieu. Amen, amen. Et mais je me souviens une fois, na matiao. Alors lui, aujourd'hui, je te permets. Sauf hôpital, malade et sani, et mon nana. Je nous épargne les détails. Parce qu'elle est bosson malade et banda au monanate. Mais ce jour-là, après la parole, il y a guide. Lorsque je suis allé, des maladies s'alignent et mon ami.
Je me rappelle encore, j'étais à l'unité. Et je voyais le médecin comment est-ce que Bazaki troublé. Bon, paniqué, je partais. Non, mon ami, c'est Zokangama. Mais je me suis souvenu, il m'avait dit que l'alliance n'a traité dans Nzambe Nanga. Échec et Zalate. Yoko Koufate. Moi, je ne veux pas te perdre. Na surtout quand on est dans Amen, amen. 6 mois après, Nazumusala, c'était seulement la parole. Il m'avait dit, ton temps est arrivé. Jimmy, sert Dieu. Quant à l'évangélisation, sert Dieu. Mon Dieu, il fera quelque chose à Sali. Et ce qui est plus grave encore, parce que le temps est amouki. J'étais avec l'homme de Dieu le samedi. Il a dit quelque chose. A Pessinga guidance. Et le mardi, dans mon concrétisation et à guidance, on m'appelle pour l'embauche. Quelques jours après, la quai pour le contrat. Parce que je l'avais appelé. J'ai dit Saint-Esprit. Parce que yon nous a porté en ango. Yon nous a vraie guidance. Yon nous a vraie guide. Jusque là, je n'ai pas encore signé le contrat. Et face à cet avocat, il me dit, mais madame, pourquoi tu as traîné? Tu devais déjà passer pour signer le contrat. J'ai compris. Puisque lui, il avait dit, tu vas signer. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai signé. Il m'a encore dit quelque chose. Aujourd'hui, là, là où tu as bandé à démarche administratif. Parce que j'ai été guidé. À chaque fois dans ma vie, on a l'anda, malobanaye. Comme cet homme-là qui avait dit, sur ta parole, je jetterai le filet. À chaque fois que moi j'ai suivi cela, n'a mon aka miracle. Mais à chaque moment, mes bien-aimés, on a l'andaté. C'est qu'a été la guidance spirituelle. N'a où me la n'a pas si. N'a où me la n'a situation. J'ai compris qu'on ne lutte pas avec la guidance spirituelle. Bah hésite à te. Bah murmure à te. Lorsqu'il dit, laisse-toi aller et tu verras. Le Dieu d'alliance est vivant. Le Dieu d'alliance est réel. Je viens témoigner ce Dieu-là. Le 11 août, 11 ans, il y a parcours, il y a mien. Et ça, il m'a rendu belé. À Koufalobi, à sa vivante. Est-ce qu'on peut encore rendre grâce à Dieu par les acclamations? Je disais, est-ce qu'on peut encore rendre grâce à Dieu par les acclamations? Finalement, je me suis rendu compte que je ne devais pas parler. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. C'est une charge supplémentaire déjà de parler après papa, après les encadreurs. J'ai déjà la tête qui tourne. Alléluia. Et finalement, il me reste 9 minutes. Merci papa. Je vous remercie pour le choix que vous m'avez accordé. Et les encadreurs aussi, merci pour votre encadrement, merci beaucoup. L'Église de Dieu, merci pour votre assistance. Et le grand merci revient à notre Dieu, lui qui nous a prêté souffle de vie et bonne santé. C'est dur, hein, de parler de cette Église qui a aujourd'hui 11 ans sur sa parole. Ha. Wow. Efficacité épistémologique de la vision amiale. Moi, je veux parler uniquement de l'aspect parole. Prenons ensemble les livres de Jean. Jean 1 à 4. Nous allons lire verset après verset. Tu prends le premier, je prends le deuxième. Jean chapitre 1er du premier verset jusqu'au quatrième. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Parole du Seigneur. Amen. Selon les théologiens dogmatiques, le livre de Jean est considéré comme le plus grand évangile. Je reprends. Selon les théologiens dogmatiques, le livre de Jean est considéré comme l'évangile le plus grand. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jean, on trace explicitement le parcours, l'œuvre et la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Et on stipule une chose, que tout ce que l'apôtre Jean a fait, on appelle ça le verbe de Dieu.
Or, le Verbe de Dieu, c'est la parole. La parole, c'est Christ. Christ est esprit. Esprit est Dieu. Et Dieu est amour. Okay. Et cet amour est le socle de cette vision. Alléluia. Alléluia. Amen. Je reprends. Amour est le message que l'église amiale prône matin, midi et soir depuis maintenant 11 ans. On n'a pas changé de cap. Alléluia. Amen. La cible n'a jamais été changée depuis 11 ans. On a parlé de l'amour le premier jour de la création de cette église et jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu, en voulant intensifier cet amour, il est passé par son saint serviteur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a amenés dans un amour le plus profond en nous dotant de l'amitié. Regardez un peu là-bas. Qu'est-ce qu'on a écrit? Et j'aimerais stipuler ceci. Que lorsqu'on parle de l'amitié, on voit la forme la plus profonde de l'amour. Lorsqu'on parle de l'amitié, on voit la forme la plus profonde de l'amour. Parce qu'à un ami, on ne cache rien. Alléluia. À un ami, on est susceptible de tout lui dire, sauf rien. Jean 15, 15 a été inspiré de Dieu par notre pasteur pour que nous puissions être communs avec Dieu. Alléluia. Pas un serviteur qui serait loin, mais un ami qui saurait tout et à qui Christ dira tout. Alléluia. Amen. Alors, essayons de comprendre tous ensemble, c'est quoi la parole selon Dieu? C'est quoi la parole selon Dieu? La parole selon Dieu, c'est la transmission de la vie de Christ. Je reprends, la parole selon Dieu, c'est la transmission de la vie de Christ. Est-ce que quelqu'un, depuis qu'il est dans cette église, a déjà reçu une transformation dans sa vie? Amen. Je dirais oui à ta place. Parce que tu vas remarquer une chose. Makambo, ben, qu'on sent la facilité. Aujourd'hui, lorsque tu veux le faire, il y a une parole qui s'élève devant de toi. Il y a peut-être une personne, il y a peut-être une prédication qui s'élève devant de toi et te dit, attention. Et cette parole-là est émaillée de l'amour. Parce que rien de tout ce qui s'est dit du haut de cette chair part en dehors de l'amour. Et je me répète encore, la parole selon Dieu, c'est la transmission de la vie de Christ. Dans un sens purement littéraire, la parole veut dire le contenu de la révélation divine exprimée à travers l'Écriture, grâce à l'Ancien et au Nouveau Testament. Il s'agit donc du livre, soit de la parole fondamentale du foi chrétienne. Excusez-moi, de la foi chrétienne. Je reprends. Il s'agit donc de la référence fondamentale en matière de la foi chrétienne. On ne peut pas parler de la parole sans parler du langage. Okay. Si on est amial et notre vision prône l'amour, c'est quoi notre langage? Une question qu'on peut répondre à la maison. Quel est alors le pouvoir de ces langages-là? J'aimerais d'abord dire c'est quoi la langue. La langue en outre veut dire cette faculté qui nous aide à bien transmettre un message. C'est ça la langue. Mais qu'en est-il maintenant de notre langage en tant qu'enfant de Dieu? Il voulait aussi dire ceci. L'auteur qui a écrit ceci, je pense que c'est le frère Chapi. Il a dit ceci. Lorsque nous constatons un dépit dans un peuple, ce peuple-là a un déficit de langage. Je réponds à l'inga, à tout comprendre bien. Ce qui peuple wana isa ko bungaka mingi, c'est que peuple wana isa na problème, il y a langage. Lorsque l'église amiale n'exprime pas le langage de l'amour, le peuple entre en transition de perte. Je réponds, lorsque l'église amiale n'exprime pas le langage de l'amour, entre en transition de perte, notre foi serait petite. Alléluia. Si et seulement si beaucoup d'églises ne prônent pas l'amour par le message, nous on fait l'exception. Parce que nous sommes dans les livres où sont l'évangile le plus grand. C'est-à-dire, nous prônons Christ. Alléluia. Pas une autre chose, mais Christ. Alléluia. La parole qui est prêchée ici n'est pas la Bible. Mmh. Vous êtes choqués, hein? La parole qui est prônée ici n'est pas la parole de Dieu. Vous êtes choqués, hein? D'accord. La parole qui vient de la bouche des prédicateurs d'ici n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais la parole qui sort du haut de cette chair est Christ. Alléluia. J'aimerais le répéter, la parole qui sort du haut de cette chair est Christ. Pourquoi? Parce que
ce n'est plus toi et moi qui vivons. C'est Christ qui a fait quoi? Si et seulement si l'église amiale commence à comprendre la quintessence de l'amour, nous arriverons un jour à être semblables, je dirais bien comme Christ. Amen. Nous avons encore du chemin, oui. Nous exprimons encore l'amour, je dirais à 80%. Il ne nous reste que 20%. Alléluia. Alors, il est possible, comme l'encadré itinéraire l'a dit, d'être ou soit de toucher la perfection. Amen. Il est possible. Parce que l'amour, en très peu de mots, c'est juste Christ. Le langage prôné par la vision de l'église amiale est l'amour, par lequel nous avons la transmission, ou soit la transformation de l'homme intérieur. Et cette transformation-là nous amène à subir la sémence qu'on appelle les cellules. Alléluia. Les cellules oyo etama kalakasi na biso à travers l'amour, yangonde esala kato benga mabana na Nzambe. Et ces cellules-là ne peuvent vivre sans maï. OK. Et l'eau en question que je parle ici, c'est la parole que prône Amial qui est l'amour. Écrivez tous ensemble avec moi les cellules que notre vision amiale prône. 1. Le pardon. 2. L'humilité. 3. La tempérance. La patience. La douceur. La bénignité. La vérité. La bonté. La justice. Amen. Une autre vision de notre côté ne prône pas l'orgueil. Amen. Y a-t-il des frères et sœurs parmi nous ce soir qui sont orgueilleux? Ils ne sont pas là, heureusement. Je reprends. Notre vision prône le pardon, l'humilité, la tempérance, l'espérance, la douceur, la bénignité, la vérité, la bonté, la justice. Et notre vision ne prône pas l'orgueil, des sentiments envieux, la malnotité, les fausses croyances. Et notre vision, en outre, pour clôturer, excuse tout, a l'espérance à tout, supporte tout, ne soupçonne pas le mal et n'irrite pas. On peut lire ça à la maison, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Et puis nous allons aussi prendre dans la même lignée, Galates 5, 22. L'amour est l'aliment vital pour garder longtemps en vie toutes les cellules citées en amont. Je reprends. L'amour est l'élément vital pour garder en vie toutes les cellules citées en amont. Le prêche ou le message de l'église amiale est fondamentalement pour une bonne vie et une orientation spirituelle. Je dirais ici pour clôturer les cinq puissances de la parole au sein de l'église amiale. Les cinq puissances de la parole au sein de l'église amiale. 1. C'est une arme offensive et défensive. Alléluia. Amen. C'est une arme offensive et défensive. La parole prônée à l'église amiale. L'esprit est une personne et pour nous combattre l'adversaire. Son arme, c'est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, comme cela est écrit dans Éphésiens 17. N'oubliez pas, chers bien-aimés, que c'est avec la parole que Jésus a fait fuir le diable lors de la tentation en lui répondant ce qui suit. Il est écrit une arme offensive. Lorsque le diable s'élève, est-ce que tu lui dis qu'il est écrit? Est-ce qu'en toi tu as la parole que tu peux transmettre? 2. En elle, elle a une vertu curative. Elle est capable de tout guérir. Dans des cas désespérés, la parole de l'amour que prône la vision amiale, capable qu'elle est cette parole de pouvoir nous guérir. 3. Elle est une vertu protectrice. La parole de l'amour que prône l'église amiale a pour vertu de nous protéger. Je ne vois pas un père aussi aimant comme notre Dieu nous donne son fils unique et qui est incapable de nous protéger. Si et seulement si il est amour et que son amour qui est notre vision, qui est notre message de tous les jours, alors ce message-là est protecteur. Et puis 4. Elle nous gardera du péché
quelle qu'en soit sa nature, la parole de l'amour qui est ici ne nous condamnera jamais. Amen. Je répète, la parole de l'amour que l'église Amiel prend le matin, midi et soir ne te condamnera jamais. Bien au contraire, cette parole-là va t'accueillir, te dire oui, tu as tombé, tu as fait des erreurs, mais aujourd'hui, la compassion est encore possible, la grâce est encore possible, parce que la Bible déclare que là où le péché a abondé, moi j'aimerais dire l'amour de Dieu a surabondé. Amen. Et puis pour finir, cinquièmement, elle est la clé d'un bonheur durable et de toute réussite vraie. Alléluia. Je reprends pour cinquièmement. La parole que l'église Amiel prône, elle est la clé du bonheur durable et de la réussite vraie. Parce que nous connaissons également des réussites fausses qui sont, n'est-ce pas, Moukousse Lokola Bangonga Batamoukilien, appelé le Loulubazui. Mais la réussite dont nous parlons ici de Dieu, elle est durable. Ce bonheur-là est durable et cette réussite-là, elle est vraie. Et pour clôturer finalement, j'aimerais demander à l'Église de pouvoir se tenir debout. Je pense que je suis encore dans le temps, il me reste 2 minutes. Y a-t-il ce soir ou un peu plus loin, avec les amis qui nous suivent à travers les médias sociaux, c'est là qu'ils peuvent humblement demander à Dieu ceci. La vision de cette église n'est pas autre chose que l'amour. Seigneur, si dans mon cœur, il manquait encore cette étape-là, Yakoko m'a profondément ami avec toi pour exprimer et valoriser l'amour, Seigneur, à travers ces assises, que cela épée sa mélanga. Je te donne les paroles pour dire à Dieu ceci. Si et seulement si j'ai manqué encore l'étape de l'amitié, l'étape de l'amour profond, pour que je puisse exprimer la vie de Christ concrètement dans ma famille, là où je suis, aujourd'hui, à travers ces assises, Seigneur, épée sa mélanga. Comme les encadrés ont témoigné, chacun de nous a aussi un témoignage, oyo guidance, peu parole et salana vinaye. On est ici tous ensemble, nous vivons les empreintes de la main de Dieu dans nos vies. Il a parlé, il nous a guidés par son saint serviteur, par des différents prédicateurs au Balekan et Sika Oyo. Ceux qui bolinguent avant ma cassité na bomo inabiso, invitons l'Esprit de Dieu, demandons à Dieu à Kotakat Nabiso à travers l'amour. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de cet amour? J'ai besoin, Seigneur. Tu avais dit que Okosala Ngaï, serviteur, était Kasimoninga. Oh oui, tu étais allé très loin, Seigneur, en inspirant ton serviteur pour donner cette vision, les amis de l'Alliance. Et cette alliance-là n'est pas avec un homme. Cette alliance-là est avec le Christ. Seigneur, nous voulons que l'amour règne réellement en nous. On ne veut pas vivre l'amour juste pour le dehors, mais efficacement. D'abord à l'intérieur de nous, l'amour véritable. Je veux vivre cet amour. Seigneur, fais briller la lumière de l'amour en nous. Vivre cet amour. Fais briller, Seigneur, la lumière de l'amour au sein de l'église Amiel. Nous voulons porter fièrement ces textes de Jean 15:15. Nous voulons porter fièrement l'emblème d'être enfant de Dieu. Oh, que ta guidance, le Saint-Esprit. Oh, que ta parole, le Christ, soit notre partage. Et le Dieu qui exauce nos prières. Et le Dieu qui exauce nos demandes. Nous te demandons, Seigneur, humblement, de nous accorder tout ce que nous avons demandé. Et que la gloire te revienne à toi, et uniquement à toi seul, rendant grâce à Dieu par les acclamations. Que Jésus soit glorifié. On continue d'acclamer, acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour Jésus. S'il vous plaît. Jésus.
Hosanna na Yahweh. C'est Jésus le roi de rois. I just survive because I'm happy. Na Yahweh.